je m'appelle Alexis Chevalier, j'ai 39 ans. Je suis installé ici sur la ferme de Carec depuis la fin d'année 2020. L'exploitation fait 30 hectares en tout, donc 25 hectares de SAU. Les productions, c'est faire du fruit de table en pommier, poirier, kiwi, un peu de cognacier aussi. J'ai aussi 60 colonies d'abeilles noires pour faire du miel. Et 7 bêtes de bovins que j'élève en extensif sur 7 hectares de prairies permanentes plus les prairies temporaires de l'assainement. Le thème me tenait particulièrement à cœur sur la préservation des ressources, notamment la biodiversité aussi. Pour moi, c'est crucial. Mon objectif, c'était de favoriser un maximum la biodiversité sur la ferme pour avoir un écosystème le plus complexe possible et donc le plus résilient aussi derrière. Il y a à peu près 40% de la surface de la ferme des 30 hectares qui sont consacrés à des habitats naturels, c'est-à-dire des haies, des bois, des zones humides, mais aussi des prairies permanentes. Après, c'est aussi dans les vergers où j'ai implanté des bandes fleuries pour favoriser les insectes auxiliaires, mangeurs de pucerons notamment. J'aimerais bien, par exemple, créer des mares à différents endroits sur la ferme. Donc, c'est des écosystèmes qui permettent vraiment d'augmenter la biodiversité de manière importante, d'attirer en fait la faune. J'ai prévu de récupérer toutes les autres toitures des bâtiments ici. Donc ça, j'ai installé pour l'instant les tuyaux. Toutes les gouttières sont pas en place encore, mais le but c'est de récupérer toutes les eaux pour essayer de limiter à minima les prélèvements des eaux souterraines du forage pour l'irrigation du verger. Mon projet vous a plu, alors tout l'été, votez pour moi.